Boka kolanda biso partout à travers le monde tozo pusana moke pona kokende ko commémorer indépendance yambo kanabiso 64 ans après indépendance soto tuwa pito komi wa pito so kende wa pi motuna na bandaki ko tuna ruta to bandaki poso eye nini penza bozali ko kanisa pour que to avancer na ndenge ba mikili mosusu ezali ko kende na manière ya grandeur ya république démocratique du Congo, le grand Congo au centre de l'Afrique. Et ça dit moko ya makanisi to ko kenango kino suka ya poso eye pona kozwa ka makanisi ya bayi si bayi ke pe basusu nini ko sala pour ko to évoluer bandeko o balandi ya pona Congo. O merci na fidélité pe confiance na bino manaka na bino ya lelo e bandi boye ba ke premier ministre madame Judith Suminwa azela mi lelo na Goma moko na lelo nda kokoma na Goma wapi bisika ake ko palpe di doigt situation sécuritaire wapi alaki kutu lobi moleki na Nord Kivu na Bukavu bisika azalaki alaki lokola mama ko zalaka sima ya maloba na ye ko landelaka yango kino kimya e ko ozonga isengeli ko yeba ke zali voyage ne ya liboso uta koti na mosala aponaki bongo ngambu ya est bisika a participa ki pe na bokangi bikuke ya ba bureau ya Monisco o ezali ko kende deja wuta ba mbula ebele e 2 ans oyo ezala bongo ya bokendi na bango petit a petit pour que batika mboka na biso ndenge population a senga ki et pendant ce temps kuna na ngambo ya Tchad tata mukambi ekolo azwa makilobi na bref séjour na ye Félix Antoine c'est que du président ya RDC Azala qui honoré tant on a lobby honoré Azala qui solo honoré pour la facilitation ou Azala qui simanae kozwa bongo titre ya ko tombwa makoleka penza kuna na Tchad ba inaugura qui pe avenue moko na kombo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et après juste Moussala Yango, RDC Natchad, Bassinia, qui bongo 3 accords de coopération. Bongo, ezali na cadre ya bakor ya coopération globale, pe coopération d'exception, pe vice versa, et kozala réciproque entre le deux États. Et senge liko yeba, ketata mokambie kolo, a silisa ki déjà séjourna ekuna na Tchad. Toujours la Kinshasa, wapibisika, mandungu Ndungu ezalaki polémique soit débat autour ya mission ya mokambi ensemble nationale oui singela ka kenena 22 personnes ensemble nationale sima koyoka clamer public ba yaki ko éclairer opinion et singeli koye ba ke ezali mission misato batia yango esika moko wana ezalaki maloba ya professeur Jean Claude Tshilumbayi o atalisi pe éclairer que bandeko wana ba ke bongo na mission beaucoup tani wana kasi ezali ba mission misato oyo ba tie yango elongo bato na bato ba okende na esika na bango rien à voir avec oyo so bato bazo kolobaka autour ya mosolo pe bongo na bongo bake bakacho ya sika ekotiama la disposition ya la police nationale congolaise ville de Kinshasa oh, esengeli koyeba ke to koti na tango ya délestage na Kinshasa mobimba ezali message ya SNEL oyo chaque quartier ko satango na ye sima ya ba groupe mibale oyo batie mopandi po na misala oyo ezali kosalema oyo eza pesa ngwe singelaki na pesa bino mpona Congo alelo ebandi to fungola yango na mwana mboka ndeko Achille Kapanga wazali na ngambo ya loboko na ngai ya mobali azali ancien maire ya Beni pe moko ya ba notable ya Nord Kivu mwana mboka mbote pe boye bolam. Merci beaucoup madame. Pour les mingi dengue sur le lot na émission oyo. Une fois pour nous occasion ya ko solo la ko échanger na ba ko débatteur pour ba téléspectateur ya cher munene oyo balanda biso bazota moi et loko muke ya mutuya na autre ko solo la awa.
yango to sepeli to pesi mbote to kanisi c'est une bonne occasion ya kolobela makambo ya Congo. Signification nini opesi na déplacement ya yambo ya premier ministre o ya bandi mosala loko ya liboso asali ko kende na est ya démocratie du Congo ko tala na mo na ko tala penza ye moko makambo ndenge ezali kosala makuna pona bino ezali message ya espoir o deja gouvernement ezali ko lancer na population ya parti est. En fait, madame la première ministre que je salue, a kende ki kuna pour ma kambo ya Monisco. A kende ki na Sud Kivu pour Monisco, ezo longwa progressivement na Congo, yango banda ki na Sud Kivu. Basi balongwa ba Tanganyika, ba wapi awa bazalaki na Sud Kivu pour ba kende. Alors, cérémonie yango, il fallait mokonzi mboka azala. Yango de premier ministre, chef de gouvernement, a kende ki kuna pour na kosala mikanda wana basinatiri wana Monisco e kende. Comme Goma et Zakanzela, ya Bukavu, ya mwa seulement crochet na Goma, a profité pe, a son na bakunzi ya Nord Kivu, ba échange, ba pesa na makanisi, a yo kape nini bako ibi sekuna. Ata mingi mingi, a zwa wana ba rapport, oye kome na kena biho na ye, a si akoutana na tango a consultation, akoutana kana batebele, ba ibi se reje makamponi sa Nord Kivu, c'est une ancienne membre du gouvernement, a yebi nini zala kakuna. Mais tango yemoko a komi kuna, c'est une occasion pour na yemoko, koyoka tamuswa koyamba bakush oyo bazana ba revendication ko pesa ye ayoka bango ati yango na mutu mais surtout à mettre yango en pratique puisque oui koyoka makambo soki oti yango en pratique te ekozana tira moko te yango to sengi présence ne kuna ezala pe parmi ba solution majeure ya kozwa kimia na este ya mboka na biso. Mais ça signifie quoi déjà pour vous de voir le gouvernement qu'on s'est déplacé na présence ya premier ministre? Bango moko balobaki ke oza gouvernement ya terrain. A principe tant moko nzala ka déplacement na mboka na ye eza routine. Pona nga eza ka vraiment moko munene te non. C'est comme soza na ndako na yo, au côté chambre, au côté salon, au côté douche, nyoso ba province oza net ba chambre ya ndako ya gouvernement. Ba ko kota isika balingi. Donc pour l'angai colbaque plus premier ministre qui na Nord Kivu est vraiment moko munene non azana cadre normal et régulier ya musala nae. Donc ce n'est pas vraiment un grand événement non comme ils ezan ndako nae Nord Kivu za chambre katanga bandundu eza ba chambre ndako nae ce qui a monique lelo il faut na koma awa na kombola awa au kende c'est très important tout tiango na cadre mais le ko zo tia surtout na zo mettre la 7 makasi à mettre en application ou bien à répondre à ma recommandation au bakopé saïe kuna. Certainement que bakopé saïe, ma recommandation est belé. Ba déplacer baza kuna, baza na pas si mingi bazo koufa, nzala, beloko belé. Ba balabale, si kangama, moi, bat basa la, beni butembo, goma butembo, et comme moi passi, ba beloka mike mike netouana, a zwango, nyoso, tango bako vanda na mokonza mboka, ba prendre ma disposition pour. Très bien, merci beaucoup Mwalamboka. C'est parti pour l'émission pour la Congo de ce jour. Toza en direct à Bantin, la Congo Buzz Télévision. Vous pouvez partager na baye bazola na biso na ntela ya ba page na biso pour ko baninga mosusu be bazwa. Occasion ya kolanda ndeko Fedi Mukindi ya na biso sur ces plateaux. Moko ya baye Union Sacrée. Bonjour et bienvenue. Bonjour ndeko Naomi. Bonjour na ba téléspectateur Nyonso. Bonjour na ba téléspectateur ya pour na Congo, nazana isengo ya kutana na bino lisusu na zopesa mbote na ba cadre nyonso na ba combattant ya Union pour le valeur tshisekediste na autorité morale na biso le sénateur José Kalala Wakalala. Mais parce que on parle de la descente de la première ministre au sud Kivu, pour moi c'est un signal fort que c'est un gouvernement de terrain. Un gouvernement de terrain parce que c'est toujours différent tant aux Hollandes à ma radio, aux autres à ma rapport et que tant au Yomoko aux autres sur terrain. Parce que terrain depuis ça a solution parce que province na province, bazan na lolenge na bangou y a coupé sa solution na ba problème au bazan ango. Gai na zo pe sa premier ministre bravo. Pour un sacrifice, wana parce que quand on a terrain, ils ont la capacité. Dans la plupart des temps, ils ont terrain. Ils ont la capacité à être logé dans un hôtel à 5 étoiles. Après, ils ont la moi, ils ont la condition pas aussi facile pour une autorité. Mais ça lui donne l'occasion d'écouter le problème de la population.
Et je voudrais profiter de cette occasion pour lui dire le prochain voyage que maman Judith a qu'elle peut na Kasaï Oriental. Kasaï Oriental, ils ont un chantier et belé inachevé kuna, alors que bon à l'État, ils ont déjà injecté dans ce chantier. Il y a les chantiers de Raver Mlamampoy, dans lesquels on a déjà mis beaucoup d'argent, mais ce que m'ont les bandits, je crois que Misalanyon Souana et Kozonga à zéro. Dans un chantier, il y a un hôpital. Hôpital de cancer, les travaux sont aux arrêts, on ne sait pas quand est-ce que ça va recommencer. Et la manière que cet hôpital fonctionnait ne fonctionne plus comme avant, parce que c'est difficile, il y a des pierres à gauche, il y a des bois à droite. Je crois que la Première ministre peut aussi aller au Kasaï Oriental pour voir. Il y a les projets Tchile Gilou qui est aux arrêts, il y a la route Tombujima et Kananga qui est presque aux arrêts, mais même dans le programme d'action, on n'en a pas tellement parlé, alors que c'est une route d'importance nationale. Nous demandons à ce que la Première ministre, mais aussi le ministre, notamment le ministre des Infrastructures, puisse aller au Kasaï, puisse aller en Bujima. Il y a même l'école dans laquelle le chef de l'État a étudié, Kalenda Mudjishi, qu'on était en train de réhabiliter, Oez et Télémi. Misalezo Salemate, c'était un projet de 2 ans, maintenant on est déjà au-delà de 3 ans. Banabazotanga n'a pas condition pas normale, na école, ya Miba, ou Eza Pembeni, Eza école primaire, mais Bakeko Zobana secondaire, Bani Kotia Kuna, Bazotanga. Donc, notre souci c'est que le gouvernement, Mama Souminois, puisse aussi se pencher d'abord sur les chantiers inachevés, et si là, et puis, bah, lancer ma projet. Est-ce que c'est vrai que Bandeko et Kasaï Bazaki le moins servi pendant quinquennat et Mbouyatata Mokambiekolo? Bon, Nakolo Bandeko en a été parce que dans la statistique, le Kasaï Oriental a eu sa part d'investissement conformément au programme d'action du gouvernement Samalou Koundé. Donc, je ne sais pas faire les statistiques pour Naroloba, Kasaï Oriental, les Zouaki et Bélé ou bien Mouké, Kasaï Central, Bandundu, Équateur. Mais ce que je sais, c'est que pendant le gouvernement Samuel Kondé, pays Mobimbe Zalaki chantier, travaux Zalaki à gauche, à droite, mais pour le Kasaï Oriental, que je connais mieux, ils en ont un chantier Bélé inachevé. Makambuya Miba, on continue à en parler. Nous pensons que cette fois-ci, ce sera la bonne pour que le Kasaï Oriental se retrouve. Oh, très bien, merci beaucoup. Mon Mboka Josué Mbumba, vous êtes de l'Alliance pour le Changement, parti Sœur Yandeko, Jean-Marc Kabunda Kabunda. Bonjour et bienvenue. Bonjour Maman Naomi, et bonjour Nabandeko Tozo Kabona dans mon plateau, ma co-débatteur Nangaï. La ligne a signalé était l'honorable Jean-Marc Kabunda à Coxissé, était 16 jours depuis Akangama. Vous avez été condamné, jugé et condamné. Il était certainement arrêté le 9 août 2022, Naba condition de bien en violation des procédures de droit, entre autres assignation à résidence surveillée, Oezaki n'a arrêt, Oezaki déjà établi pour que Bacha ait à résidence surveillée, et Tsekala Rosalemate. Il était condamné à 7 ans de prison, à aberration, à droit, le lingot de Ebelinenge et Kendelela. Et le Suskoloba était honorable Jean-Marc Kabunda. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais été assigné. Il n'a jamais plutôt été notifié de l'arrêt les condamnant à 7 ans de prison. Ce qui n'existe pas, bah, juriste Basali, on a maître à Ebi, que jamais un prisonnier a pu vendre dans la prison sans qu'il soit notifié. Notification des Talissa, la direction pénitentiaire que. Moto Oto Kangi Azali prisonnier. Mais le loyo Jean-Marc Kabunda Togo Benga Azali prisonnier personnel, il y a de Kofelé Tshisekedi. Parce que nous estimons bien qu'il est prisonnier politique. Parce qu'aucun prisonnier, le Lengue Bazali, on a en prison plus de 16 000. Mon con a bangote à Tikala jamais qu'on a la notifié au moment où bah condamné déjà. Quel est le rapport entre Féo Bazo qui accusé Ndeko Kabunda et le président Tshisekedi? Féo Bazali qui accusé Ndeko Jean-Marc Kabunda et Zali par rapport, selon Bango, Zali par infraction politique. Peto Ebi, comment est-ce que Mbokanabiso est à la rage? Propagation de faux bris, propagation de faux sur la président, le président Tshisekedi. C'est qui n'a jamais été fait. Jean-Marc Kabunda qui n'a rôle n'a comme étant parlementaire. Oezali, qu'on batte l'un article 107 de la Constitution, qu'aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté
est détenu en raison de ses opinions. Aussi, Jean-Marc Kaboun, dans un exercice parlementaire, a émettre un avis, le lien article 26 de la Constitution, il a dit qu'on peut ma coquille démocratiquement. Donc, Jean-Marc Kaboun, Félix Tshisekedi a bossé une union sur OEA Salakiponae, a bossé une lite naïe na katia UDPS, a dimi qu'on s'engana bato au lobby bazalaki banguna na bango politiquement. Pe andimi ko pesa bango opportunité, andimi ko yamba bamboso, andimi ko yamba babati, andimi ko yamba batuana nyonso, oyo zali ko mona baninga na ya sika. Malheureusement, tous zali ko mona mboka pe ko tambola malamu te. Olobia a été maman premier ministre, maman Suminwa, a ute ko kende na mupandi ya est na mbu ya Congo. Le lo a ko kita na goma, lobia zali ki na sit kivu, lolo na goma, wazo zela e. Azala ki na sit kivu, le lo a rozala na goma. Le lingue to kolobaete mama Suminwa azali na eloko kosala te. Parce que oui, na lobaki yango uta nomination na été article 91 na article 69 ya constitution ezali ko talisa comment est-ce que mama Suminwa kosala eloko te nyonso ezali cadré par le chef de l'État. L'article 91 to lobaki ya constitution ko talisa été le premier ministre définit la politique de la nation en concertation avec le président de la République. Le chef de l'État, c'est le garant de la nation et c'est lui qui convoque et qui préside le conseil des ministres. Donc, l'orientation est un modèle, il y a Mingi et qu'on n'est pas chef de l'État. Lélo, Mama Soumino, qui est un vagabondage, le lengue, président Tshisekedi, Mesana Libanda, Yesko a salagé mon amour propre, Yako salamon a Katia Mboka, Akende Kotala, Bolandi, premier ministre. Akei kuna na est na Butembo akei ko tenir même meeting oh na minute au peuple congolais na posa meeting ite peuple congolais azali na posa ya matérialisation ya programme na bango le lengue a synthétisé yango na 3 points peuple congolais azali na posa bango basa la quelque chose mettons ba comment na ba meeting oh ezali ezali stérile oh ezali comme manango et l'autre côté mboka et vous allez pas si mingi parce que pour l'opposition. Pour l'opposition, c'est que Elo Romoro était Salema. Vous pensez que quand Elo Romoro était au Salema, c'est le pouvoir qui perd ou c'est la République qui perd? C'est la République qui perd, Nantela, pouvoir haut et Zali finissant, pouvoir haut et Zali na idéologie mon côté, et Zali na mécanisme mon côté pour Nambo Cannabis au Congo. Donc, qu'on dédouanie Maman Suminwa, paix, qu'on sauve. Président Tshisekedi et Rosala, injuste pour Nabisso parce que c'est un même régime, basali ko tambola na lolenge moko. Très bien. Ce qui Mama Suminwa a sali le côté, yeba ango pete ndeko Félix Tshisekedi a sali le côté. Ce qui ndeko Félix Tshisekedi a sali le côté, Mama Suminwa a sali le côté parce que la politique de la nation est définie entre les deux. Merci beaucoup. Et président Tshisekedi. Martin Domingue Molamboka ndeko Molamboka ndeko Stéphanie Kitoumé, cadre et communicatrice de l'ensemble pour la République. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous, bonjour peuple congolais. Merci pour l'invitation. Et salut Mikole B, et à la Bossaï Nakombona. Nazonio, comme moi, Namboka, consultation pour la mise en place, il y a cadre et concertation et force politique, dans l'opposition, de ko 7 Kikuni, Claude Dubaï, Balansa, Kiango, de comment se baser, qui est déjà. Est-ce qu'Ensemble pour la République est concerné? Est-ce que vous, Bengamaki, est-ce que vous participez? Alors que déjà, il y a des candidats qui portent parole à l'opposition, l'opposition, ils ont qui est. Sous ce bazo le bamono comment côté est-ce que tout le monde se mettre ensemble ngana banzi que ndeko na biso président biso national Moïse Katumbi depuis démission rien n'a pas perdu aza toujours derrière ba peuple aza toujours cohérent aza toujours na démarche démocratique aza toujours na conformité na oyo et lobby ba texte ça veut dire que biso toza wana pour l'intérêt général ya population. Consultation, ils ont un mot. Mais ce qui est pour l'instant important, c'est qu'il fallait règlement intérieur. Et salement, désignation, il y a porte-parole, il y a opposition. Et salement, ça fait partie de l'Oyotobengi, dans l'article 7, il y a statut, il y a opposition, de l'organisation et fonctionnement, il y a opposition. C'est là où nous sommes. Pambaté, parce que selon constitution et comment il était, après investiture, il y a gouvernement, un mois après, il faudrait déjà porte-parole, il y a
opposition azala déjà désigné. Il y a des démarches au Tozanango sur la table. En d'autres termes, ceux qui portent parole à l'opposition qu'on a désigné, c'est que Bundimi qui est l'élection, et c'est le mal qui peine de conférer, c'est qu'il dit à Longaki, Dengue, si des autres l'obake, vous osez contredire. Et sa contradiction, c'est na lingi na pesa exemple, balobi ce qui kake beti na mboka et que bomi moutou. Vous voyez bien que kake tika ramoutou mobimbate, bazwa kaba reste wana ya moutou wana, bakout sango na serke, ou bakunda e pona honneur na ye. Toke li sous son exemple moussou ya Emery Patrick Lumumba, notre héros national. Qu'est-ce qui s'est passé? Baoti ko kunda e. Est-ce que bakunda ginzoto na e mobimba? Te, bakundinde linu na e. Elinge lo bani. Bisoti le loto ebi ke y a pas élection en République démocratique du Congo. Mais le quoi toza na opposition o eko kiko simba mandou kite. Le quoi toza na opposition o eko embrase République te. C'est-à-dire to lingi, to s'organiser sur les restes. Reste il reste ya tempête électorale, il y a simulacre électoral, il y a foudroyement électoral ou salimaki. Oyo muketo zui nde sengeli to s'organiser nango parce que mboka eza biso nyonso soit to simbi manduki ba ba kokufa bazaka ba citoyen lokola biso baza ba kozala batu ya majorité à opposition et consort. Donc biso na mukuse eza te ke tondimi ke nini victoire eza ki ya actuel président Félix Tshisekedi non. To ebi ke tina butu, il y a le 20 décembre 2023 et zalaki ndende ko Moïse Katumbi nde azalaki na bavwa ebele. Mais lokola eleki o esi eleki biso to lobi to koboma mboka te, allons-y ndenge wana. Je pense que vous, bah, peuple congolais va comprendre. Vous irez sans les idées, sans Martel Fayoulou, sans envol de Denis Sanga, sans arche pour l'alliance aussi, pour le changement. Est-ce que porte-parole Binomoko Bimisaona a engagé l'opposition Nyon Sotango Bamoussou Balobi, Baza concerné? Selon statut en Balobi et sa opposition, toutes tendances confondues. Opposition, tozan opposition parlementaire et opposition extra-parlementaire. Balobi statut wana ezo regroupé opposition nyonso. Si ko soki ezana batu oyo baboyi démarche wana, alors que statut wana ezaki promulgué il y a 17 ans. C'est depuis 17 ans que loi wana ezo soufi na application nango. Bazo appliqué te pour des raisons oyo tozo yeba te. Alors lokola biso toza ba normaliste na ensemble pour la République et non contre la République. Tolobi non, eza outil yamala mupona biso parce que porte-parole wana a assurer o tozo benga visibilité ya opposition politique. Pourquoi pas chercher à que to exploiter to utiliser outil wana pour que visibilité monana pour que to yebana ko s'organiser parce que porte-parole wana azo se limiter kaka na niveau national te. Selon la loi, il y a statut en opposition et il y a niveau nyonso. Alors, il y a niveau nyonso. Il y a une opposition peut être ébélé. Alors, il y a niveau nyonso. Soit, par exemple, il y a niveau national, moutou, parti Songolo et Zui. Il y a niveau province, il y a 26 provinces. C'est que chaque parti à opposition a la possibilité de représenter l'opposition. Il y a une inclusivité. Tolobi inclusivité pourquoi? Parce que ba oyo ba ko voter porte-parole wana ezande ba député à opposition. Et comme baza ba député et à opposition, on pouvait se contenter qu'avec les partis oyo baza représentés dans deux chambres du parlement. Mais on s'était dit que loko les autres concernés opposition nous tendons la main au nom de l'inclusivité, au nom de l'union parce que c'est l'union qui fait la force. Mais na tangu biso tozo ki na démarche wana eza conforme à la loi. Et que ba misusu balingi te bangonde siko ba koyeba balingi finalement hein, nini ce qui balobi bazana pona intérêt à peuple et sengeli to kende na ordre wana to kende na ordre dispersé te to landane molongo wana pour que to yeba kozala makasi pour faire un véritable contrepoids na pouvoir. Très bien, merci beaucoup Mwanamboka. Réduction en train de vivre des institutions to lobela ki yango hier na bandeko bazana ki na biso sur ces plateaux mais to zongeli yango puisque l'Assemblée nationale réagir na débat autour ya mission ya président ya Assemblée nationale débat wana et porta ki polémique na opinion
bisika vende personne et c'est qui va accompagner des covid caméra Canada pour la 49e session parlementaire et à francophonie et assemblée nationale éclairée et lobby qui est allé 4 missions et que c'est ni bébatier en gros si comme encore en gros et 22 personnes et non c'est que bat bande koloba sur la toile et bah pessimi sur mon tangote et kokouté na na trésor trésor il y a l'État est-ce que ezali na cadre et à train de vue des institutions au bande ko bazale ko promet depuis un certain moment maître Achille Kapanga vous essayer koloba ki ozala ki pe na 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 aussi au Kamba ce qui est sûr est-ce que nenge tozali ko kende la tozali ko ko mettre en application les kabetali réduction à train de vue des institutions madame avant de répondre yo na bisa madame Benanga awa ki baloba kana France madame Stéphanie que opposition sur opposition ne vaut donc tant que tozala ba opposition sur ba opposition mususu tokosuka wapi kalate boye boye binonyo so awa se sanga mukwege j'ai pas tout le monde là que non cette fois-ci tozo accompagner tel net simba kite bo palangana ki donc ça montre que nos opposants congolais ne visent que leurs intérêts. Donc ce qui est intérêt na bango ezate opposition eza na tina mo côté alors ah on est pas sur que porte-parole et opposition à Zanara et à ministre, et comme si on était net poste moko politique, moi c'est ça ma lecture aujourd'hui. Alors, dans tout ça, le peuple gagne quoi? C'est ça ma grande question. Donc, opposition, c'est comment, puisque tu as dit que tu as dit que tu as dit que il n'y a pas longtemps, on a vu Genève, ce que Genève nous a donné à Fante pour nous. Aujourd'hui, Fayoulé de son côté, tout le monde parle de ce qu'il veut parler. Alors, quand vous allez déjà dans la route dispersée, vous voulez avoir quel résultat? De deux, quand beaucoup de gens parlent de Katumbi, moi j'ai toujours donné un conseil à nos amis de Moïse Katumbi. Katumbi ne saura pas bien faire sa politique aussi longtemps qu'il est dans la province. Le siège des institutions se trouve ici à Kinshasa. Quand tu fais tes activités politiques et peut-être prétendre occuper un grand poste comme celui-là, alors que tu n'es pas permanent au sein des institutions, souvent c'est un peu compliqué. Voilà pourquoi j'aime toujours utiliser des gens, tantôt mon ami Francis Kalombo n'est plus porte-parole, tantôt non, puisqu'il n'est pas là. Chacun fait ce qu'il peut faire, puisque lui est au Katanga. Or, le centre des institutions se trouve ici à Kinshasa. Voilà les problèmes qui se posent souvent avec mon ami Moïse Katumbi. Je pense que pour mieux faire la politique, comme il veut la faire, il faut Andima. Il était en appel à la République. Aïe, côté que la capitale, Yamboka. Après, on a dit que la capitale, Yamboka. Mais on a pensé que le rapport, on a un téléphone, on a boye. Il y a un mot qui a beaucoup de ces députés l'avaient fouillé. Il n'était pas ici permanent à Kinshasa. Tu veux gérer les ministres qui sont à Kinshasa alors que toi, tu es au Katanga. Tu ne le sauras pas. Tu veux gérer les députés qui sont ici à Kinshasa alors que toi, tu es au Katanga. Tu ne le sauras pas. Tant que tu es à côté, tu es au mais quand tu es permanent ici à Kinshasa, vous avez l'état d'échanger, d'assurer le suivi et consort. Moi, c'est le conseil que je peux donner d'abord à Moïse Katumbi par rapport à tout ce qu'il veut faire comme politique. La politique en dehors des sièges des institutions, surtout pour occuper un grand poste stratégique, c'est imprudent. C'est le premier conseil que je voulais donner. Donc, quand vous parlez du trait de vie de la population avec la fameuse question de missions et consorts, les missions au Congo, c'est la seule façon de se taper de l'argent. Parce que c'est là où il y a le frais d'émission, c'est là où on peut aller se faire voir à l'extérieur, comme tout le monde rêve toujours dans la porte. Alors, c'est ça la distraction dans laquelle nous nous trouvons. Une émission, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit la mission, puisque c'est prévu. Mais la mission doit avoir quel caractère et qui doit aller faire quoi pour quel intérêt. Parce que ce ne sont pas toutes les invitations auxquelles on doit répondre, madame. Il y a des invitations, on peut vous avoir une invitation, mais vous pesez l'opportunité. Est-ce que c'est vraiment important, tant que nous bien, tout un tas de personnes qui nous représentent Bissot. Surtout que Zamakambo, beaucoup qui ont un bon côté, beaucoup qui ont signé par contrat, bon, vous pouvez me déléguer 2-3 personnes. Voilà, vous allez écouter ça et ça et ça, et vous allez nous faire parvenir telle solution. Je suis en train de dire ça pourquoi, madame. J'ai suivi ici de la RFI ce matin. On voulait envoyer un représentant spécial de l'Union européenne
en Afrique de l'Est. Mais le Rwanda, à travers Mushikiwabo et consorts OPZ, ça n'a pas pu réussir. On devait nommer un diplomate belge à ce poste-là. Tout était déjà bien fait, mais le Rwanda est allé faire bloquer la situation. Et c'est ce qui doit nous interpeller. Pourquoi chaque fois les autres réussissent, mais chez nous ça prend du temps? Est-ce que la diplomatie n'a pas besoin de Simbaka réellement? Comment petit Rwanda peut bloquer la nomination des représentants de l'Union européenne à l'est de l'Afrique? Voilà les petites questions que nous devons nous poser. Pour dire quoi? Les missions que nous effectuons, souvent, n'ont pas de caractère profond politique. Ce sont des caractères qui visent « je suis parti, on m'a vu, j'ai gagné » et c'est tout. Ça puisque la plupart des fois, lors des retours, oui, lors des retours, combien de missions étaient effectuées à l'extérieur, madame? Est-ce que vous avez vu les retombées? Cette fois-ci, monsieur Salama qui boy, retombé en positif en gros. Ce sont des caras. Puisque mingi tokendaka, tous offrent des missions, tous la moussala, tous la autre, tous ont suivi Malonga et Kozalate. Avant d'aller très loin, est-ce que vous savez que aujourd'hui, je me dis, dans ces pays, tant que tous ont un naufrage, maïndombe et Kosovo tout le jour, moi je me pose la question. Dans le 21e siècle, Batoazo voyageait dans la balinière, dans le modèle Oyo. Il n'y avait pas de gilets de sauvetage. Les gilets de sauvetage coûtent combien, madame? Et bien, le blog coûtait 5-10 dollars. Pourquoi ne pas rendre obligatoire le port des gilets de sauvetage avant mon toit mata dans la pirogue, dans la balinière, à la Tayango? Mais quelqu'un, non, c'est sacrifier la vie. Et là, je me souviens de m'adresser au ministre Bemba, au VPM Bemba de Transcom. Quand on a beaucoup perdu des Congolais innocemment comme ça, remettez la rigueur là-bas. Les embarcations là, avant qu'elles ne puissent peut-être commencer leur voyage, qu'on vérifie si chaque personne a mis son gilet de sauvetage. Et que ce soit obligatoire. Merci. Sinon, c'est très beaucoup dangereux. Merci beaucoup, Ndeko Jojoué Mbouma, Mbombo Kawayo. Et ça, quand même, fait normal. Ma mission, pe moussala nyonso ba institution, ezali kosa na mboka na biso na ba cabinet, pe na ba entreprise, aussi na parlement, na présidence partout, eza bon fonctionnement ya nation, comme ça s'est fait partout ailleurs. Mais pourquoi, par exemple, na Sénégal, tout le monde est président qu'on déplacé, a commis na mboka monsusu, a ki rouvanda na ambassade pour na longo la cour. Est-ce que nous pouvons quand même réfléchir autour de la question et la réduction de traits de vie des institutions? J'espère que l'Anda qui déclaration et assemblée nationale n'a été les missions à 22 personnes où ils ont fait normal au Bobby Kézali 3 missions où ils ont été et porté polémique pour rien. En tout cas, maman Naomi, ils ont passé mingi parce que mon cannabiso apparemment batu moro boe kiri moro boe baye baye kosakapare na ango. Avant, là, quand on a question, on a par rapport à la question et à porte-parole, il y a opposition. Vous allez comment ça a été. Au moment où on a dit que c'est la politique d'accompagnement. Soit aux en opposition, soit aux en opposition. Je m'appelle Makasina et le maître Achille Aoutigolobawa. Batebele aux hommes na bazo zala ba figurant politique il y a opposition parce que zala ba poste au elengela mi poete ce qui bandimi ba ba kokamba ba poste wana banambo kana biso ezala Congo bokoy ko yebisanga moto mo zala porte parole et opposition zala. Mais la loi existe depuis. La loi existe mais les contenus ezana kata mobeko wana na ba réalité ezali ko zala na mboka na biso et ko tikala ka ko permettre biso tete ba kokena le lengue wana parce que nous avons toujours eu des élections bâclées. Nous avons toujours eu des élections oyo et que tu n'as jamais causé la hauteur ya masolo ya minene ya mboka na biso. La loi existe, babilo ko na tout existe, na règlement intérieur o ezali ko kamba opposition, ça existe. Mais tant onde ko Moïse Katumbi, alobi a te bakayi na braquage électoral. Bakayi na simulacre électoral. Bazui ba créer na ba momoro français.
pour le baïté, quand ça à la face du monde que de Félix Tshisekedi était réellement un démon, ou a créé l'élection, si cela existait dans le monde. Mais aujourd'hui, vous acceptez quand même de marcher avec eux. C'est-à-dire, vous allez conduire l'élection de Félix Tshisekedi à Salagi, vous allez malamou, vous allez conduire l'opposition. Mais bien jusqu'à aujourd'hui, vous allez dénoncer le régime illégitime, vous allez conduire Félix Tshisekedi. Pourquoi tu le bien moi c'est illégitime? Et c'est illégitime parce que non pardon parce que tata otu ko le ka buto. On de koka di matin muto alo a belle la ki ango te te ko Félix Tshisekedi le ki. Tu le ko loba illégitime par rapport ya makambo ni ce to vivant qui n'attend pas l'élection. Oh comment on a été moto azana nda ko na mazana machine à voter a tsala ngo coussin. Nous sommes en train de faire l'illégitimité, il y a le courant. Il y a une élection, c'est Mme Monté, si tu es en train depuis 2006, c'est la même élection, c'est Mme Monté. Et puis, bon, il y a un peu de bon. 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 La politique est accompagnement. Jusqu'à ce que tu fournisses l'idée nécessaire. Ça justifie que Boboï se rallie à Bandeko, Boboï que s'organiser. Et comment jouer quand même rôle dans l'opposition? Tu se rallie à Bandeko parce que d'autant plus que tu as dit que c'est un régime où est illégitime, tu as dit que c'est un opposition. Parce que la vraie opposition, c'est un honorable Jean-Marc Kaboun, Oyo Azalaki n'a pouvoir, il s'est senti. Les écomones étaient beaucoup contents de la malamouté à Bendani Pé Akei. Assemblée nationale, je ne crois pas que Moïse Katumbi a une fonction pour être aïe pour se rallier dans le monde du peuple, pour être aïe pour une idéologie ainsi comme le peuple ainsi comme le gouverneur du Grand Katanga. Écoutez, il avait démissionné de lui-même. Madame, écoutez, un gouverneur n'est pas égal à un premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il faut apprendre. C'est vraiment pitoyable. Les amis, quand ça m'a été, il était, Azalaki Nakata Union Sacrée, comme le patron de l'Union Sacrée, Montomorote a contredit Ngaï, et même la personne qui a recruté Katumbi, c'était le président Jean-Marc Kaboun. Alors, quand ça m'a été, de que Jean-Marc Kaboun, Kaboundo, aïe, comme il vient dans la lobby, et Ngaï, n'a rien à qu'un homme peuple, n'a même ma idéologie, à Sika, ma canissi, à Sika, à côté qu'elle n'a jamais qu'on dit ma offre, oh, et personne n'est pas un de Félix Tshisekedi. Parce que pour un des années, on a cadeau. Mais Félix Tshisekedi a sali discours où on a la 4 Assemblée nationale, na congrès, tu es bien au lissus, ou à l'obiété, tout au poste et opposition, et qu'on peut se maintenir à recevoir, à temps, on a à fournir ma idée à Sika. Quelle idée on de Moïse Katumbi a comme Manambo Kanabiso? Quelle idée on monte le quoi Mozito a comme Manambo Kanabiso? Quelle idée le quoi la monte le quoi la matata ponio? Tout bon sanité, ma procès Ezali, ma procès Bukangalonjo. Monsieur Mozito, combien de Ndakoya Tongi? Je ne suis pas là en train de tirer sur Moïse Katumbi et autres. Moi, je l'ai dit ici que Moïse Katumbi et autres, le long de la Zemisat, va avoir la politique d'accompagnement. Ils ne sont pas légitimer le pouvoir en place. Ils ne sont pas opposants. Dire qu'ils ne sont pas opposants, ça sera un peu trop dur. Mais j'ai dit ici que Bazali. Bazali, qu'on soit la politique, il y a deux fois, C'est-à-dire, une fois, vous allez connaître sa facette qui est opposition, une fois, vous allez connaître sa facette qui est majorité, ou vous allez connaître sa majorité. Mais, dans la zone, on a question, et ça n'est pas si ma casse comme on a été. La réduction des trains de vie des animateurs des institutions, et ça qui d'ailleurs proposé par l'honorable Jean-Marc Kaboundo, au Koye Bangoli Soussou, honorable Jean-Marc Kaboundo, Banda Congo et Zala Congo, c'est le seul Oyo Azali Kokamba, comme deuxième personnalité à l'Assemblée nationale, à Longwe, la perçoit, paix à Kiti jusque la tribune pour dénoncer à Kolobayete. Train de vie des animateurs, il y a beaucoup de cannabis et Sengeli et Kita. Peut-être que le lengen de l'Isse Sanga en boîte qui n'est pas, c'est la réduction des trains de vie des animateurs des institutions. Ndeko, Vital Kamere, à l'Oba a été, à la directeur de cabinet, il y a la présidence de la République, une fois côté. La présidence de la République, bah, salaire y a batou. Et ça là qui triplé, ça là qui et matin qui le lingue, et singela qui selon ma canisinae. Pourquoi? Parce que
Azali d'abord monte haut, Azali dans la mécanicité pour le bien-être du peuple congolais. Comment on a 22 personnes, le lingue avec masqué à différentes délégations, puis différentes missions, et Zali le Kouta Monen et Pémoto, Zali Moana Moïse, Moana, il y a Vital Kamera, Kokos, à Ezalité. L'Ozui Motolokola, Monsieur Massaro. Monsieur Massaro ressort la Nini, la délégation à bas député. Chargé de mission. Écoutez, s'il vous plaît. Ordre de mission. Écoutez, s'il vous plaît. Est-ce que Barco Zwabisho ou Tozali Pana bébé, tu es politique ici? Tu es un peu de temps, 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 tu procès à 100 jours. Tu es un peu de temps, tu es un peu de temps, tu es un peu de temps, tu es un peu de temps. Les lois, il y a plus de 22 personnes. La délégation, on va dire qu'il y a un Canada. Na boye bisabino atenga ina zali na ba preuve de paiement ba hotel ba salaki. Na zali na yango. Ezana ba hotel monsieur zo kende na ba valeur plus de 6200 dollars, plus de 12000 dollars. Wane komi maloba ya pamba na ko na belo zali makambo ya pamba te. Na zali ko le belo makambo zali ya solo na ba hotel ko ba rezerva ki na Canada. L'Assemblée nationale a pesi biso ku ya voyage te m'a expliqué biso eza ba mission misato e ko sala ke ba 22 ba voyager ba kende na mboka Canada. À quel moment mon na mboka na biso parce que lorsque même la proposition de l'honorable Jean-Marc Kaboum, mon c'était le premier ministre Samalou Kondé, a mis en un conseil des ministres. A pesi makanisa le biais était naouti en Assemblée nationale, naouti pour défendre le budget. Tala makanisa, oh Jean-Marc Kaboum a pesi, a le bito ça la réduction des trains de vie des animateurs des institutions. Tous en bon ouan, a topé sango et pas un soldat, topé sango et pas un enseignant. Mais l'ikanisamala motikala yiko bimate. Le président de la République étant la personne qui doit donner le go pour être baibakosa la application et lokoana. Mosana ngweza la kinini. Qu'est-ce que le président avait fourni comme idée? Baibakosa la train de vie des animateurs, basa la réduction des trains de vie des animateurs des institutions. Et tikala osa le maté. Oyo ko l'ikanisama ete bazali na posa ete baibakokita ba salaire ya ba député te, bakita ba salaire ya ba sénateur te. Ce n'est pas fait. Oh, quand le bénézali va émoliment, s'il vous plaît. Il faut qu'on ait ma rubrique. Martin Fayou, il a tellement dit que ma rubrique, elle est carrément dans l'Assemblée nationale. Bah, émoliment, c'est différemment. On a un salaire, t'as oublié un salaire normal. Et ça n'est pas invisible. Et ça n'est pas, oh, mon on a raté. Oh, Ndeko, Martin Fayou, il a 5500 en global, quand on a 4-4, il y a 21 000 dollars. Paiement là, le bénézali va 21 000, c'est plus de 26 000 dollars. Parce que j'en connais un peu beaucoup. Nous sommes à la télévision, merci. Mais nous avons un président, nous avons quelqu'un qui a géré au sein de l'Assemblée nationale, et ça n'a pas vérité, Moussous, au Banamboka, à éviter au Bissoto et Biango, par rapport à Biloko et le Kartobé, à dessous des cartes. Très bien, merci. Parce qu'on compte, et pas la population, et ça dit salaire, on a 5 000 dollars, on va repérer ça, va député, parce qu'il y a encore beaucoup plus dans la rubrique. Merci beaucoup, Malamboka, Ndeko Félix, Ndeko Fédi, Moukenti, Malobomboka, réduction entre les institutions. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? S'il faut faire état des lieux ou ta deuxième mandat et bandit, est-ce que tu as même la volonté à faire mieux et ce qui est la loi de finances au exercice 2024, est-ce que quand même tu as évolué, tu as avancé dans Gamboa? Bon, je pense que les changements viennent progressivement, ce n'est jamais été d'un coup. La réduction de train de vie ne peut pas empêcher que les institutions fassent leur propre travail. 22 personnes en mission, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu, 4 missions à la fois, et je ne sais pas défendre, dire c'est peu ou c'est beaucoup, parce que le président Kamere lui-même a donné des arguments. Il est aussi vrai que cette mission, c'est une mission qui a été préparée depuis 2023 par l'honorable Mbosso, alors président de l'Assemblée nationale. Comme le visa du Canada prenne beaucoup de temps, c'est ainsi que cette mission va avoir lieu en 2024. La réduction de train de vie, c'est le souhait de tous les Congolais. Et l'honorable Kamere a donné quand même des signaux forts en insistant à ce que les émoluments à députés restent à 14 millions, soit 5 000 dollars.
ce qui ne va pas changer, alors que les 14 millions qu'elles ont leur payé avant et avaient une valeur d'environ 7 000 $. Mais s'il faut revenir, notre ami dit Jean-Marc Kabound avait quitté l'Assemblée nationale. Je sais que les Congolais savent que Jean-Marc Kabound a été forcé de quitter l'Assemblée nationale au lieu à qui combattant naïe ou abandonné Kosala, il y a premier vice-président, Azo Kitananzela, Azo régulé circulation, à Tikaba Moussala et à Baroulage, il a commis roulage. A Kangabatu, a troué Bapne Yabatu, bah, il dit ce qui est un déco, Magambo, ça les a bien tés. Là, qui sait que poste Bapé CEO, c'est tellement haut par rapport à ma capacité intellectuelle, na yo, na ma capacité à gestion aux Anango. C'est ainsi que, humilié, chassé de l'IDPS, mais M. Kabound n'avait pas d'autre choix que de quitter. Il a tuté. Mais ce tuit-là a fait 3 mois pour qu'il démissionne. On a commencé à le forcer par le membre de l'IDPS de démissionner. Mais notre ami, je ne sais pas s'il était encore dans quel pays, pour qu'il ne sache pas que Kabound a été chassé du parti. Et par conséquent, c'est le parti qui lui avait donné le poste de premier vice-président. Et le parti devait lui a demandé de quitter l'Assemblée nationale. Le seul président de l'Assemblée nationale qui avait laissé à cause de ses convictions, c'est Vital Kamerhe. Kabound a été chassé. Moi, j'étais à l'IDPS. J'ai applaudi pour Kabound à un certain moment. Et quand il a commencé à faire des choses qui allaient en dehors de nos lois, on lui a rappelé que ce que tu fais, ce n'est pas correct. Il l'a refait pour la deuxième, jusqu'à prendre sa garde pour aller ravir l'arme à un garde républicain. Donc, on ne peut pas tromper. Je crois que le dossier de Kabound, c'est un dossier clos. Tout ce que les amis peuvent faire, c'est d'implorer Dieu, que Dieu entre dans le cœur de Félix-Antoine Tshisekedi, comme c'est un homme de grand cœur, pour qu'un jour, qu'il prenne pour l'ensemble de certains prisonniers condamnés, qu'ils puissent faire une grâce présidentielle, peut-être que M. Kabound peut se retrouver dans les lots des gens qui vont être libérés, parce que Kabound est condamné. Le dossier n'est pas politique. Le dossier est judiciaire. Il est judiciaire parce que Kabound est allé à la Cour de cassation avec ses avocats. Kabound a plaidé devant les avocats, devant les juges. Kabound a reconnu des faits, des propagations de faux bruits, de calomnies, en disant que Étienne Tshisekedi disait ça à Kabila. Alors que Étienne Tshisekedi disait des choses qui étaient vérifiables, que dans le régime Kabila, il y avait des détournements, il y avait des corruptions, avec des faits. Mais on lui dit, donnez-nous les preuves des hélicoptères qui prenaient les histoires et allaient avec ça dans d'autres pays. Il n'a jamais donné ni matricule d'hélicoptères, d'avions, jusqu'à aujourd'hui. Au fait, moi, je pense qu'on ne peut plus parler du dossier Kabound. On parle comme son parti existe, mais c'est quelqu'un qui est déjà condamné. Il n'y a que deux possibilités. Soit la grâce présidentielle, soit il purge sa peine. C'est tout ce qu'on peut faire en ce niveau. Jugement va penser qui est un peu lourd par rapport à fait ou basal quoi. En fait, je ne suis ni avocat de la République, je suis ni avocat de Kabound. Je sais que le procès Kabound a été contradictoire. Il y avait des avocats de Kabound, il y avait les avocats de la République. Je crois que Maître peut-être mettre beaucoup de points de vue là-dessus. Il y a eu confrontation et ça a pris le temps que ça a pris jusqu'à la condamnation. Mais comme dans l'opposition, il ne peut pas dire autre chose. C'est son leader. Il ne peut que dire son procès politique parce que dans notre pays, ils ont le coup, la politicien de l'opposition a violé, a beta batunanzela, a finga, celui qui a procès politique. Donc, ça, de ce côté-là, moi, je pense qu'il faut c'est une histoire close. Mais par rapport au dossier de porte-parole de l'opposition. Vous comprenez comment et tous les gens de l'opposition, ils s'insultent. Ils n'ont plus le temps de critiquer le pouvoir en place. Ils n'ont pas d'argument. C'est même ça ce qui a fait qu'ils sont allés aux élections en ordre dispersé. Aujourd'hui,
ils utilisent des termes, je ne sais pas, ils ont trouvé ça où, simulacre d'élection. Il n'y a personne qui dit non, c'est moi qui étais élu. Fayoulou ne dit pas qu'il était élu. Katoumbi ne dit pas qu'il était élu. Et simulacre d'élection de n'importe quoi. Alors que les élections, ils les ont perdues avant les élections. Comment vous pouvez aller aux élections en ordre dispersé avec une union sacrée consolidée avec des grands leaders d'opinion dans cette union sacrée? Je crois que le dossier élection est clos. Il faut pas en parler, même Moïse Kassoumbi le sait. Il n'a jamais revendiqué qu'il a été élu. J'entends ça de la bouche de Madame Stéphanie. Il n'a jamais réclamé qu'il a été élu comme ça a été le cas avec Fayoulou. En 2018. J'entends ça de Madame. Vous comprenez? Moi, j'étais dans cette ville de Kinshasa lorsqu'il y a eu publication des résultats des élections. Mais nous n'avons pas vu une seule manifestation contre publication des résultats. Nous avons vu, par contre, des manifestations de joie, d'applaudissements. Les gens étaient contents. On a des sifflets, des cris de joie à travers toute la République. Et vous allez dire, il y a quelqu'un d'autre qui avait gagné les élections. Hein? De deux, il y a eu l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'on peut redire sur la Cour constitutionnelle? Non! Parce que c'est cette Cour constitutionnelle qui a validé la candidature de M. Katoumbi. Très bien. Et lorsque la Cour a validé, la CENI a validé, Katoumbi a félicité et il était content. Merci beaucoup. Il doit accepter les résultats et il a même accepté, c'est un républicain, je l'adore. Très bien, merci. Mais par rapport à ça, les amis des alliances, votre parti c'est encore comment? Le parti de Seth Kaku Kikuni, vous connaissez le nom de son parti? Non! On connaît seulement les noms de ceux dans les réseaux sociaux. Même son parti, on ne connaît pas. Piste pour l'émergence. Quoi ça? Piste pour l'émergence. Ah, tu m'apprends ça. Mais mon enfant à la maison ne connaît pas. Mais mon enfant connaît Ensemble pour la République. Il connaît SID. Il connaît le parti d'Adolphe Mojito. Mais cette Kikuni aujourd'hui se lève et dit non, je convoque des consultations avec Claudel Lubaya. Qu'on ne cite que dans des histoires sales avec Alliance Fleuve Congo. Moi, je pense que l'opposition dans notre pays est organisée par la loi sur les statuts de l'opposition. Et cette loi-là parle du porte-parole de l'opposition, dont les fonctions sont décrites par les termes, les règlements d'ordre intérieur. Très bien. Le règlement d'ordre intérieur qui doit être validé par les députés et les sénateurs de l'opposition. Merci beaucoup. Mais comme Fayoulou sait que ça doit être quelqu'un de Katoumbi qui va passer parce qu'il a beaucoup de députés, comme cette Kakoumbi sait qu'il n'a rien là-bas, il n'a rien à protéger, c'est ainsi qu'ils sont dans les diversions. Avec le risque qu'on n'ait pas un porte-parole de l'opposition. Encore une fois, et cela c'est... Donc, ce n'est pas en faveur de l'opposition. Toshite, moi, Mboka, Ndeko, Stéphanie, Malbomboka, yo, la question sur régression à train de vie des institutions. Que pensent Ensemble pour la République? Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Et sinon, que devons-nous faire? Nengeniko, procéder pour que richesse et Mboka, ils soient quand même équitablement partagés. En tout cas, merci beaucoup, maman. Maman Naomi, une fois de plus. Nalingana, on a la toilettage Mbangu Mbangu. Nangana senga na yo que prochainement soki obengi biso na émission malamu avant émission opesa les fils que baline de conduite ndenge toza boy on se connaît pas sur les plateaux on doit adopter ce qu'on appelle les bonnes manières sur les plateaux. Je pense que notre ami du parti du président Jean-Marc Kabund, que je respecte beaucoup, a beaucoup déconné. Il ne doit pas me parler en termes de « il faut ». Ça, je n'aime pas, je n'accepte pas. Je dois, de prime abord, déjà lui dire, enfoncer les clous de ce que mon prédécesseur vient de dire. Le président Jean-Marc Kabund a été poussé à démissionner. Tandis que Moïse Katoumbi a démissionné de lui-même parce qu'il avait refusé un troisième pénalty. Le monde le sait. Je m'en vais sur la réaction de Maître Achille. Il a dit que l'opposition est comme il y a un intérêt dans le monde.
des places na épouser na idée à maître Achille. Les amis de l'opposition donnent l'impression que statut Oza Moïse Katumbi. Alors que ça statut à Moïse Katumbi té. Ils a publié na journal officiel. Ils a document juridique oyo, ils ont payé sa opposition moyen à coexister nango. Mais na tangu bino bolingi ko salier nango té, c'est que bozana ba intérêt mesquin na bino. Je renforce encore ce que mon prédécesseur vient de dire. Comment est-ce que Bisso il fallait te réussir au moment où, lors des élections, majorité présidentielle, Bakangamaki, Liboke. Mais na opposition, Tokangamaki, Liboke était pour Nanin. Yangone tozo lobake, na opposition, toza na ba mécontent, na ba vrai opposant. Parce que ba vrai opposant, eza ba oyo bazo mi dissoudre, pour que, eloko e kende libo, e kende libo so. Ba preuve. Il y a Onyon sur Moïse Katumbi, il y a Sanswana, et il y a eu démontré. Par exemple, en décembre 2016, IDPS, tant que nous avons travaillé ensemble, na Katumbi, ils ont dit qu'il n'y aura pas de dialogue sans Moïse Katumbi. Qu'est-ce que Moïse Katumbi avait dit? À l'obi, ce qui est cause à la seule condition, en tout cas, nous avons bloqué dans l'exil, il y a eu un peu. Dans la même occasion, à l'obaki que Batounion se balingait comme on anga comme parce que juste après sa démission, il avait annoncé sa candidature que à cause à la présidente de la République. Mais le quoi la zaki na exil à Salinini, à l'obi ngai le quoi na ko se présenter te Batounion se beau soutenir Martin Faye. On peut pas entrer dans les détails mike mais Moutounion se aébi que Moïse Katumbi et les autres se sont investis pour que candidat à opposition en 2018 azala Martin Faye. Mais arrivé en décembre 2023, c'est quoi la raison où est pour ça que Martin Fayulu a soutenu Ndeko Moïse Katumbi? C'est là où on est tous au monaké, balobarake, bokoye baba vrai serviteur de Dieu, n'a paraphrasé, bokoye baba vrai serviteur de Dieu à partir de l'acte na bango. Ngai na soutenir yon a 2018, yon a 2023, oluki ba raison. Oluki ba alibi. Awawa, toza la makambouya statia opposition. En tout cas, je suis désolé. Nous, dans notre, d'abord dans notre éducation, yanda kuto respecta mikolo. Et puis, ensemble pour la République, nous prenons des valeurs. J'ai beaucoup du respect envers tout le monde. Et précisément, na esidé, na président esidé. Mais na zo mona ke, bazo continue ko induire ba peuple en erreur. Et peuple a témoin zo mona nani vrai opposant nani a vrai opposanté ni ne empêcher bango balobi règlement d'ordre d'intérêt lokola ezo régir opposition mobimba regardez so ki na moni ke nazana eloka obakisa te eke na moni ke batek seza bien OK c'est bon ça peut passer bon laissez passer ango ndenge nini eloko eza officiel bozola ndango te mais entre temps bokomi ko sala makamusu sous tel que concertation et tout au monité que ezo mona na noir sur blanc que ndeko Moïse Katumbi n'est pas cet opposant là qui regarde que son intérêt égoïste. Azawana, Azaki nani à la tête, il y a grande province, Ezaki wana na ba, Ezaki nanu munene, il a refusé tout ça parce qu'à mon avis que Batou, babane ko vivre à malam. Est-ce que vous voyez un Moïse Katumbi porte-parole de l'opposition payé par le pouvoir en place? Moi, je pense que Eza nécessaire teye Aza la porte-parole de l'opposition. Eza nécessaire, il peut ne pas l'être. Donc, Eza obligatoire, te yaza la porte-parole et opposition. Je pense que, tous les moments opportun, tokoyeba, banani ne ba oza ba candidat. Parce que, balobi, candidat à cause à la parlementaire ou non parlementaire. Alors, tokoyeba, candidat, aza effectivement nani. Papa, s'il vous plaît, votre nom c'est encore comment? Papa Fedi. Papa Fedi, na rejoindre Ndeko na biso ya parti ya. Il y a président Jean-Marc Kabound pour dire que exacte que biso tondimi ko zo apporter nini tondimi ko nini ko luko nini tondimi ko soutenir statut oyonde que tondimi ou bien to se contredire na makambo ba élection. Je pense que na lobaki yango awa na première intervention na ngai na lobaki boye balobaka batumba kamboka te ce qui a eu
et si eleki et si ekomi basi ba investir mokonza mboka ya sika biso toko sima manduki te. Oui, Tozaki mécontent, on avait même fait une déclaration dans ce sens-là. Mais à ce point ici, biso toko rejoindre fleuve Congo te, biso toko rejoindre opposition, il y a violence te, biso toza na opposition non violente, mais en train de revendiquer ce qui revient au peuple de droit. Yo moko yebi, tosalaki manifestation moko contre la vie chère. Ozoye balisus. Tangu tosali manifestation wana, tozo mona bande kona biso eside, bazo incite bana mike ba mineur, ba beta, ba policier, nini, mabanga. Biso ensemble pour la République, nini, idée na biso, si pas approche na biso ya kosala opposition, eza opposition na mandu kite. Parce que tozo tala même na stati oyo, bazo lo ba bien, il faut tosala dans le respect de la constitution, des lois et. Nini, ba règlement établi ya population. Chité, madame. Na yango, na linga ki na clôturé na koloba boye, ba peuple congolais bolanda biso bien. Il y a opposition et opposition. Il y a vraie opposition et il y en a des gens, bazo luka ba propre intérêt na bango, bango de bazo seme sikoyo, désordre na outil oyo toza nango na maboko pona ko s'organiser en tant qu'opposition. Na ke na. Pour la macambo à réduction à point et à train de vie. Nangana pesa quelques lignes. Nous devons réduire les salaires et avantages de nos dirigeants. Nous devons rationaliser les dépenses publiques. Nous devons faire ce qu'on appelle la réduction de personnel. Nous devons optimiser les ressources, renforcer les structures et la transparence dans les contrôles yaba bien ya l'État. Batouana balobi tozo sala o ba mission et que sais-je encore. C'est comme je vous ai toujours dit, bisotoza ensemble pour la République. Tolingi, gestion ya lelo et le ka gestion ya lobby. Et puis nga na lingaka humilité ya actuel président de la République. A lobby, nous ne devons pas répéter ba erreur ya passé. Et comme nous ne devons pas ni répéter ba erreur ya passé, c'est que batou o batie. Rôle nabiso opposition, nous devons surveiller, nous devons contrôler, nous devons rôle nabiso nyonso eza a. Donc na makambuana ya gestion, il faut total si c'est nécessaire batuba se déplacer. Si c'est nécessaire nombre wana eza la bongo. Yango na bando oloba awa pona makambu ya nini ya ba parlementaire, on doit réduire na ba niveau nyonso, on doit faire tout ce qu'on doit faire pour que mbongo ezonga ebele ba enseignants bazwa mbongo ya bien, ba militaires bazwa mbongo ya bien, traitement ya bien, et aussi nous devons aussi coéduquer mental na biso parce que tozana système moko ya mutema mabe oyo ezoka. Merci beaucoup mwana mboka ndeko wa Chika Panga to komina suka votre mot de la fin mais to moni pe départ déjà ba Monisco na ngambo ya Sud Kivu na Na est mobimba déjà basale ko kende. Quel est le message que vous lancez à la population, surtout il y a partie est, est-ce que vous avez moko ya satisfaction na ngambo ya population ou esenga ki vraiment départ ya Monisco? Madame, eloko nyoso zaka na ebandil pena suka. La Monisco n'est pas une institution congolaise, elle ne devait que rentrer. Et d'ailleurs chez nous il y a eu beaucoup de manifestations contre la Monisco qui se faisait tantôt à tort ou à travers, mais au moins la population et le bac que non, on en a assez. Plus de 22 ans, on n'a pas pu maîtriser la situation sécuritaire avec tout ce qu'ils avaient comme arsenal militaire. Ils n'ont pas pu imposer la paix, il faut quand même pas qu'il mais relève ce qu'on dit, faut à la Makassi, quand on a dit, pour bâtir qui sont à l'état habitumba. Il faut vraiment tous à la Makassi, tout bunda. Il y a un azo senga, Mazalendo, FRDC, tout double vigilance côté Kuna. Mais je ne vais pas clôturer ça dire un mot par rapport à tout ce qui se dit autour de Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound, c'était grand politicien de ces pays. Malheureusement, je l'ai toujours répété qu'en politique, c'est comme en football. Les erreurs se payent cash. C'est ça ce que je peux donner comme conseil à tout le monde. Kabound était dans une très bonne position dans ces pays. Et comme chaque famille politique a ses réalités profondes, il pèse. Il fallait à comprendre loko moko kuta lo bakango kala tanga démissionnaka c'était la RTGA. Je dis que combo bango batoi de pays nyoso bazoteka il faut ba bakeza combo tshisekedi il faut d'abord combo ezala soki ozana combo te
Djembe na kombo ezali. Kabila pifé puisque le nom de Kabila existait. Alors, le président Tshisekedi, son père avait déjà fait le nom. Na kombo na te batu soubaye ko Djembe la. Alors, ande pe yo posa la kombo na yo, o telema, batu beva ko Djembe na kombo na yo. Alors, c'était juste cette petite imprudence là que mon ami Kabound avait commise, puisque à Bosanaka, que même si Bazaba Master, a sali tout pour IDPS, mais IDPS ça est loco moko amotuya combo Tshisekedi. C'est seulement ça ce qui avait échappé un peu à mon ami Kabouya. Mais je dis là où il est, on lui donne le réconfort. Je vois que sa morale n'a pas tellement baissé. Je suis en train de dire ça à travers son combattant avec qui nous sommes ici sur le plateau. C'est ça la politique. Mandela a fait autant d'années à prison. Kamera a fait autant d'années à prison. Ça arrive. Vous pensez mais que c'est un procès politique? Politique, je ne vais pas entrer là-bas parce que la cour, les décisions judiciaires se sont déjà prononcées. Ce que je demande seulement, c'est de tirer les leçons. Puisque ça arrive partout. Je dis, c'est comme le match de football. Vous pouvez même rater des pénalties. On est en train de voir ça avec Héros, comment les gens sont ratés des pénalties. Ça arrive, Modric a raté des pénalties. Hier, Lewandowski a raté des pénalties. Olala a repris. Donc, ça arrive. Ce n'est pas la fatalité, non. Ce qui est arrivé à Kabound, ça peut arriver à ton politique. Très bien. Et c'est déjà passé. Mais pour terminer maintenant, le peuple de l'Est, je dis seulement deux choses. Les morts, les massacres, au Tozo vivre Kuna, Tozo est batté, Bazo Lukanim. Puisque si quelqu'un veut la guerre, il ne viendra pas égorger, massacrer les innocents. Non. Voilà pourquoi notre gouvernement, à dépit de tout ce que nous disons, tout ce que nous sommes en train de dire sur les chaînes de radio, de télévision, dans le discours, doit s'accompagner par des actions concrètes. L'armée doit faire son travail et le chef de l'État. Après le chef d'état-major général, je viens les élus de Nord Kivu aller rencontrer les ministres, le VPM de la Défense. Ce qui est important, c'est d'appliquer la loi sur la programmation militaire. Balande la loi, wana tina souka, bokobona biloke kobonga. Entre temps, bah, institution judiciaire militaire, et y'a bah, auditorat, bah, niveau nyoso, bah, y'a merci beaucoup, Ndeko Josué Mbouma. Votre mot de la fin, rapidement, et M. Komena Souka, qui retenir, et à passage, Nayo, population et Simbani. Bon, merci beaucoup. On a accepté d'abord une élégance politique à mettre à Chile. Il y a eu ça, Ndeko Fedi. Et quand tu le parlais, il y a vraiment un mangeoire et il y a un ronaïe. Parce que les délignons sacrés, ils ne pouvaient que tirer le drap à Mopanzinae. Honorable Jean-Marc Kabound, ce n'est pas un cadeau IDPS à PSR, à la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Il faut que le bon membre IDPS, il faut que Sikoyo, négociation FCC cachée, ça ne m'a pas comment, parce que IDPS est acquis la majorité. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Jean-Marc Kabound, comme la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, il faut que la moussa qui tengue qui est en prison tout n'a jamais Kabound, comment est-ce que les négociations ont été salées maki? Pas comme le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Quand le Jean-Marc Kabound a démissionné parce qu'il y avait des pressions au Kossi. On a vu Mbosso venir demander pardon à Jean-Marc Kabound na Kingabwa. Ça m'a le compte de venir na Kingabwa. Donc Jean-Marc Kabound a sili le bien démissionné. Pourquoi n'y a pas de Kingabwa qui a été pardon à démissionner? C'est parce que bon, comment on accueille cette personne sera accueillie. Le lingue est mon lelo, union sacrée. Mouta Rokamba, union sacrée, Azalité, comme un berger à Rokamba, Babribi, Azalité. Hein? Parce qu'il manque de l'intelligence aussi de la maturité politique adéquate. Oui, ça, en sorte que Makambo est en bola, malam. Alors, Kolobalissus, que Jean-Marc Kabound, Abaneko, Tobola, Bapine, son ambition pèse en la preuve. Européen s'en a preuve. Moroto, Kabound, Abaneko, on l'a dit ici, Madame Naomi, plusieurs fois. Plusieurs fois, Tolobango, Nganao, Awa. Ceux qui autorité, Lelo, Kouloutou Achille, Azalaki, maire de la ville. Lelo, Kouloutou Achille, tant Azalaki, maire de la ville. A mon nom, que Makamoïko Kenemala Moutenandila a quitté comme étant autorité, a pèsé sa orientation, ma bézawa. Chef de l'État Félix Tshisekedi, a quitté la ma crevette, a kanga roulage na maboko. Ata roulage na moutouka na djefang ba mema ti na kalufungula. Chef de l'État Zagina Makokia au salango. Il est chef de l'État, pourquoi il a fait? Jean-Marc Kabound, Zaragi, premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est un débat archaïque où il reçoit beaucoup de temps à raté. Chutez. Parce que l'autorité n'y a pas de malam ou elle est bisika ou est dans l'environnement. Chutez, mon avocat. Bisika, il y a même un documentaire, il y a un déco, le président Moïse Katoumi.
Dans le documentaire, mettons à la gouverneur, il y a grand Katanga. Ah ben, ça la même descente, mais si on a un macoque, on a la tête. Mais comme étant autorité de référence, ah, on a la même. Merci beaucoup, mon ami. Bénissus Koloba, ah, on a été. Quoi, ça va dire madame que Nazara n'a élégance moins mingue, Nazara n'a moins élégance moins mingue, ce que les yeux, Olimbisa, mais vous êtes en face d'un secrétaire national, il y a parti. Nazara combattante. Quand je viens ici sur un plateau de télévision, on vous a maloba comme étant dirigeant un parti. Nazali est un simple jeune, toi, Alati, chemise, à non, je suis un dirigeant. Très bien, parti. Merci toi, beaucoup. Ndekofedi. C'est moi, Malobé, les Kanaki, Bolim, parce que nous sommes toute une famille. Merci beaucoup. Père Koloba, pardon, Koloba, ceux qui ont idée de Bango Bazaï Nango, il y a un journal officiel, Nabaloua, ou Ezali, à opposition, ceux qui ont Bango Bazaï, se sentir malam ou Bakende. Merci beaucoup. Mukendi, Maloba Yasuka. Rapidement, en une minute. Merci. Je pense que comme il apprécie l'élégance, il devait être aussi beaucoup plus élégant dans un plateau de télévision. C'est par exemple, il dit, la première ministre est allée vagabonder. C'est, je ne sais pas s'il n'y a pas de termes assez élégants pour le dire. Il y en a pas parce que moi, je l'ai vécu. Je parle parce que je suis au mangeoir. Ça, ça, c'est quand même assez très fort parce que tu ne me connais pas, tu ne connais pas ce que je fais, où est-ce que je travaille. Dit, vous étiez fort envers vos paroles, même. Cher ami, j'ai dit ceci. Il faut dire les choses que tu connais. Mm-hmm. Mangeoire, je mange où? Où? Être de l'union sacrée, c'est manger l'argent de l'État? Non. Hein? Il faut dire des choses que vous maîtrisez. Je répète et j'insiste que M. Kabound, il était mon président du parti. Parce que j'étais à l'IDPS en ce temps-là. Il était à l'Assemblée nationale comme premier vice-président au nom du parti IDPS. Ça n'a pas été un cadeau parce qu'il était président du parti. Il était secrétaire général du parti. Katangé et Kassayen aussi. Lui-même avait deux casquettes. Parce qu'il était devenu secrétaire général du parti comme Katangé. Donc, je connais... comment Kabound est parti, parce que d'abord c'est l'IDPS qui l'a chassé. Les combattants de l'IDPS avec lesquels il n'était pas en union. J'ai dit ceci. Mot de la fin, message à la population. Il n'a pas démissionné comme les message autres. Message à la population, mon Amboka. Message de la fin, c'est par rapport au départ de la MONUSCO. Le départ de la MONUSCO répond à la demande de la majorité de la population congolaise qui s'est rendue compte que la MONUSCO ne jouait pas son rôle premier, celui qui était de protéger la population civile. La MONUSCO, à travers la bouche du secrétaire général des Nations Unies, ils ont même dit que la M23 avait plus d'armes que la MONUSCO. Donc, on ne trouvait pas pourquoi la MONUSCO devait continuer à être là. Il y a eu des manifestations, il y a eu même des gens qui sont morts. Et le chef de l'État a instruit le Conseil de sécurité d'accélérer le retrait de la MONUSCO. Et c'est ce qui est en train de se faire. Le fait même que la Première ministre soit à cette manifestation de départ, ça montre que c'est la volonté du gouvernement congolais. Très bien. C'est la volonté du gouvernement congolais. Et je pense que le gouvernement est en train de se battre pour assurer la sécurité de la population civile. Merci beaucoup. Parce que c'est parmi ces rôles régaliens. Avec la MONUSCO ou sans MONUSCO, la RDC va rester sécurisée. Très bien, c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup, Nabalandi. Je vous ai donné le mot de la fin, maman. Sérieusement, Napesa Kiyongonga. Et si on se retrouve prochainement, tout à l'heure, Kina Maître Achille Kapanga, ancien maire, à Benipe, notable, à Nord-Kivu, Ndeko, Josué Mbumba, Moko Yabai, Lissanga Alliance pour le changement, madame Stéphanie, Moko Yabai, Ensemble pour la République, Pendeko, Fedi Mukendi, à Union Sacrée, Union de Valère Tshisekediste, Tokutani prochainement, na cadre Moko, il y a Kolobela Kamale Matali, 64 ans, il y a indépendance, c'est comme ça, plateau, pour na Koukani Salobiambo, Kaboti Kalamana, Mpebolinga Congo, Totonga Congo, Petobate la Congo, et Kimia. Na mabota la bino. Au revoir.